le peuple comme nous-mêmes. Signons son engagement. Recevons ses premiers souffles. Ordonnance Michaud, janvier 1629, 6 sous par jour pour les soldats, 10 pour les cadets, 12 pour les vieux, 20 sous. Pour les capots, 15 sous. 30 pour les tambours, pour les sergents, les chirurgiens, idem les fourriers, pour l'aumônier, 20 et 100 sous. Pour les capots, pour les lieutenants, 300. Pour les capitaines, 500. Pour les maîtres de camp, ordonnez, obéissant, exigé par ingénieur en géométrie meurtrière, n'existe qu'à l'exercice. Oscillera au feu des mousquets. J'entends la musique. Les promesses d'ordre tenues par des ordres. Depuis des siècles, la musique sous les arbres et le ciel. Le son du métal. Celui des balles, celui des trompettes. La bataille. Cheval à plat ventre, pattes avant étendues, pattes arrière bougeant un peu, écartées. Et cavalier renversé sur le dos. Corps disparu dans le creux, souliers inutiles en l'air sur la tête du cheval. Cavalier qui perd son sang, fusil tombé trop loin, hors d'atteinte. Mais tout est trop tard. Fini. La maraude. Armée emmène la docile paix, comme les paysans font paisiblement. Les attardés dans la ferme vite partent, ne prennent même le temps de tuer la femme
qui court après et qui et voudrait retenir bras, vaisselle, argent, vital à dos de voleur. Les réveillés vont aux fenêtres voir ce qui leur a échappé. C'est fini. Les soldats réguliers courent au secours. Trop tard. Point les piques. Engage l'épée. Duel. Mêmes armes. Même maître d'armes, même mort promise, même sens de l'honneur. Silence scelle, donne le temps d'envisager la juste mort et même de cesser de haïr le salaud. Sont en ombre. La dévastation d'un monastère. Le toit du couvent brûle. Les statues saintes font des gestes encore au vent et au ciel. Quelques religieuses groupées crient, protestent, ont peur. Une déjà est enlevée, tandis que par la porte passe vache, mouton, biquette. Un domestique est mort, allongé de tout son ventre. Le pillage et l'incendie d'un village. Hommes armés gardent l'église, regardent le village, ne servent à rien. Il a protesté, on le prend à la gorge, on le tue. Elle est allongée en chemise, sans vie. Il est allongé, bras levés, sans vie. On passe devant. On pousse les villageois. Mal dans le dos, attaché. Un pied issu.
et on remplit les chariots. On vide les maisons. On emmène les chevaux, les brebis. Un bâton qui suffit. Et les images gravées vont durer. L'imagination inverse. Adverse. Sans le savoir, à la rencontre, sa fortune colportée à dos, arrêtée à 2001, armée contre désarmée, retenue sans bruit, sous menace. Ôtée aux voyageurs et les biens et la vie. Trois déjà sont renversés, bras sans cause. Il tue les hommes d'escorte à cheval, à trois contre un par pied, par pistolet d'arçon, mort sans gloire, et force la fuite. Ramasser les biscuits et les fêtes, se garder des cachets et vite, avant d'être surpris, rentrer au camp, organiser les supplices, crier victoire, gloire au chef. Et du noir des bois, les échappés, les observent les judiciaires en marche. Suspendu, genoux remontés, pieds groupés dans les fesses comme enfants, suspendu par les mains, meux qui tient tout, voyant le vide comme jamais dans les vies, bientôt tout lâchera. L'arbre organise l'ombre sous lui, en prise de l'ombre. Des sons plus nets, plus recueillis. Vingt déjà sont pendus. Ensemble, corps oscillant, muet. Sourd à la rumeur, au tambour. La hache attend de trancher les liens qui retiendront le corps. Et les tireurs à la parade, rang devant, rang derrière, rang armes, rang des charges, sont attentifs à bien faire sous l'œil de tous. Sera-t-il au silence réduit?
pendant combien de temps encore les aveux extorqués. Et par violence, le pardon à la vengeance ligotée. De ce théâtre avec spectateurs au balcon à entrer aux riches côté jardin du gîte, à ouverture pour gueux côté cour, c'est la perspective ordonnée des bâtiments du haut monde importe au fond. Le fou ne sortira pas. Pour toujours, il est assis contre le coin en bas à droite. Vérité orthogonale du dessin. Qu'à être vu, ne pas se laisser tuer comme des boulets. Ni même les laisser entrer dans le village. À trois contre un, on en saisit. Crie, absolue le reste. À coup, les courageux lâchent. Sortons du bois, trop vite, trop court pour qu'ils se retirent, et on les bat comme des affluents, à faire froid. Et les cousins, les voisins accourent, leurs fusils de derrière les arbres tirent, les soldats à la renverse. Génuflexion, courtoisie, grandes et belles manières. Leur possession.